parler d'un beau métier. Alors, le beau métier, c'est la politique, et surtout celle-là qui est très idéologique. Alors, pour ceux qui ne croient pas que les médias font de la propagande au lieu de faire leur beau métier, donc, qui est quand même d'informer, j'ai deux exemples, tout chaud, tout frais, comme on dit, c'est quasi surnaturel. J'écoutais ma radio, et j'entends ce dialogue entre un journaliste de la radio et le préfet de police en direct, suite à des tirs en pleine rue, dans une ville de France, je peux la citer, c'est Rennes, le journaliste. Suite au coup de feu qui aurait été échangé, notez l'utilisation systématique du conditionnel, cette nuit dans le centre de la ville, est-ce que les forces de police sont intervenues rapidement? Le préfet répond. Nous avons été alertés à 2h du matin des faits. Effectivement, nous sommes intervenus très rapidement. Rideau, circuler, il n'y a rien à voir. Donc le préfet ne répondra jamais à cette question, on ne saura jamais à quelle heure la police est intervenue rapidement. On est comme ça, c'est ainsi, on est plus professionnel quoi, dans ces métiers d'information. Parce qu'un vrai journaliste, là, il pourrait dire, monsieur le préfet, on aimerait savoir quand même à quelle heure la police est intervenue sur place. Eh bien, on ne saura pas, c'est pas de question. On ne gêne pas les politiciens aujourd'hui. Donc j'appelle ça un faux journaliste. Ils préfèrent passer à autre chose, c'est un classique du genre. Alors du coup, un deuxième exemple, c'est un journaliste sur une radio aussi, mais cette fois en vidéo, qui interviewe Nicolas Dupont-Aignan et lui demande ce qu'il pense de la guerre ou de la situation en Ukraine. Je schématise pour gagner du temps. Et là, Dupont-Aignan ouvre la bouche. Il va sortir quelques mots. Il commence par « la guerre ». Stop ! Le journaliste le coupe tout de suite et lui dit « ce n'était pas ma question ». Ah bon, personne n'avait remarqué. Surtout que Nicolas Dupont-Aignan s'apprêtait à répondre à la question. Et c'est comme ça. Et écoutez bien quand vous assistez à un débat, enfin un pseudo-débat plutôt, avec des journalistes qui sont quasiment tous de gauche et des gens qui ne sont pas de gauche, et vous allez voir que ça se passe toujours comme ça. On coupe immédiatement la personne qui est en face et on essaye de recadrer pour aller vers l'idéologie du jour. Et ça, c'est un truc immuable. Des exemples comme ça, je vais vous lire, par jour, il y en a 5, 20, 100, je ne sais pas, c'est immense. Et j'ai eu quand même la chance dans ma vie, puisque j'ai un certain âge, n'est-ce pas, de connaître des vrais journalistes qui faisaient leur métier, qui enquêtaient sur les lieux des faits, qui cherchaient, qui trouvaient souvent de l'information. J'ai eu la chance même de connaître très bien un écrivain qui était un ancien journaliste et qui lui avait révélé beaucoup de choses, qui s'appelait Jean Montaldo. Et il fouillait, il cherchait, c'était des heures d'enquête, des journées d'enquête, enfin c'était sérieux. Aujourd'hui, j'ai la malchance, je ne connais pas de journaliste digne de ce nom. Je connais des gens qui font de la propagande, qui sont là pour vendre leur idéologie et qui ne cherchent rien et donc ne trouvent jamais rien, c'est logique. Puisqu'ils ne cherchent rien, ils ne trouvent pas. Le pompon revient quand même maintenant à la candidate choisie par Macron pour les européennes, une certaine Valérie Ayer, qui déclare, et je la cite, « Nous avons un bilan qui parle pour nous, nous, majorité présidentielle. » Ah, oui madame, vous avez un bilan, mais c'est un dépôt de bilan en réalité que vous avez, un vrai dépôt de bilan. Les chiffres ne parlent pas pour vous, mais contre vous, et vous osez vous goberger avec ça. On se dit, bon, on ne sait pas, on ne comprend pas. Et c'est pour ça qu'on a le wokisme, parce que les socialo-communistes ne savent plus quoi inventer pour nous faire retourner au Moyen-Âge. Donc ils ont inventé un truc qui s'appelle le wokisme, qui n'est que du progressisme. En fait, si vous regardez bien, c'est la face actuelle du progressisme s'appelle wokisme. Hein, c'est la même chose. La roue tourne pourtant en Macronie. Ça, c'est aujourd'hui une certitude. Parce qu'on sent qu'il y a un petit peu de panique qui s'empare des macronistes à l'approche de ces européennes de juin 2024. Bon, on ne sait pas ce qui va en sortir, c'est une élection à un tour. Et dans une élection à un tour, le pouvoir en place peut vraiment se préparer une défaite importante. Je pense que c'est possible. On verra bien. Mais
ils ont la chance quand même, ces macronistes. Ils ont une opposition qui est molle, qui ne leur fera pas d'ombrage. Je prends un exemple, il y a un débat avec un vote sur pour ou contre la guerre contre la Russie. Eh bien, Bardella a déjà annoncé que son parti s'abstiendrait du vote qui demande de choisir, en fait, entre la guerre ou non. Comment on peut s'abstenir d'un vote comme celui-là? Heureusement, vous avez quasiment personne, heureusement pour Macron, donc, vous avez quasiment personne qui va avoir le courage de dire on ne veut pas de cette guerre, parce que ce n'est pas notre guerre. Et je dois dire que j'ai entendu, Dupont-Aignan a dit qu'il n'en voulait pas, j'ai entendu Sarkozy qui a justement dit que c'était une hérésie de se placer dans cette guerre, et même de se mêler de ce qui se passe avec l'Ukraine, et il expliquait très bien pourquoi. Je sais que les gens n'aiment pas Sarkozy, parce qu'il est bling-bling, etc. Enfin, par rapport à Macron, c'est un enfant de cœur. Alors voilà où on en est. Et ça, c'est quelque chose qui est dramatique, qui est constant. On n'a plus d'informations, on est pris pour des neuneux de première. On nous traite vraiment comme des gens qui ne comprennent rien. Et on nous vend du vent, c'est du vent permanent, c'est du blabla. Vous voulez un exemple dernier, et puis je vais arrêter là. Vous avez le président de la République qui engage un grand débat sur l'immigration. Et en même temps, comme il aime bien dire, là, pendant ce en même temps, qu'est-ce que le gouvernement fait? Il réquisitionne un château historique de la France pour y placer des migrants. Un château historique. Une beauté dans le 78. Et ils ne nous prennent pas pour des cons. Hein, faut oser le mot. Ils nous prennent pour des cons. Voilà. Bon, alors comme vous savez, on va arrêter là. On est mal, on est même très mal. Et je vous dis peut-être à bientôt.